Lecteur de menu. Désactiver. Appuyez sur touche L2 pour l'activer. On va désactiver le lecteur de menu. Option d'accessibilité. Lecteur de menu. Lecteur de menu. Loup bleu rouge. Bleu de bouge, pardon. Loup de bouge. On va en mettre un peu. Daltonisme, on s'en fout. La mire, c'est quoi? C'est la visée. Inverser les joysticks, non, je suis pas gaucher. Ouais, c'est mieux. Les icônes sont utilisées pour par le navigateur audio. Oh, ça peut être utile en vrai. On verra. Parce que je sais même pas à quoi ça ressemble, donc on verra bien une fois le truc. Non, c'est... Ok. Mode de rendu haute fidélité qui favorise la résolution de qualité graphique. Mode fréquence d'image élevée qui favorise la performance. Et ils peuvent pas parler dans le même temps. Sert à boire. Heureux. Donc, mode de rendu haute fidélité qui favorise la résolution et la qualité graphique. Fréquence d'image élevée qui favorise la performance. MDR, mais oui, alors t'es sur PS5, tu dois choisir si tu veux des performances ou pas. Enfin, pas j'imagine qu'on pourra régler nous-mêmes, mais bon. Comme Fire Emblem Warrior. Récupérez vos récompenses associées au fan club. Ouais, j'aille sur le site pour avoir des tenues. Il me fait plaisir d'informer l'inscription en 5e année du collège Poudlard. Envoyer une fourniture au début. Vous le savez peut-être, selon le décret des restrictions de l'usage de la magie, j'ai sorcier de premier cycle. Un sorcier sorcière de moins de 17 ans. Ouais, ça c'est normal. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a seulement accepté d'autoriser le professeur Eleazar Fig au sortilège avant de vous escorter à Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie.
Donc on commence en cinquième année. Professeur Weasley. Directrice adjointe de Weasley. Allez, c'est là qu'on va passer deux plombes. Ouais, celui-là, il est bien, hein. Ah voilà, on voit un peu changer. C'est blanc comme un cul, chérie. Ouais. Faut voir s'il y a une coupe de cheveux avec des queues de cheval. Par celle-là. Mais il devrait y avoir normalement. Un peu trop lisse à mon goût. Non, pas de chignon. Un peu trop lisse. Ah, pourquoi pas? Ouais, c'est la tenue du voyageur de Genshin. La tenue, les cheveux. Non, c'est Lara Croft. Aussi. Ok, bah je pense que ça va être ça. Hein. Et quoi comme couleur? Ils ont pris le même panel de couleurs que Pokémon. OMG Alix, ouais. Il y avait des chauves. Oh, on peut faire Shanks. J'adore les cicatrices au visage. Un petit côté, moi j'aime bien. Ouais. Ah là là, Franck. De quoi, hein? Tu sais que je te parlais d'un dessin. T'as fait quoi? T'as fait un dessin à Harry Potter?
Ouf. C'était assez incroyable. Je suis encore à l'école, mais je... J'ai hâte d'aller à Préola. Ah, on n'a que deux voix différentes. Un petit Franck Mage. Je suis encore à l'école, mais j'ai hâte d'aller à Préolard. Quelques toiles d'araignée et de... C'était assez incroyable. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Ok. On va y aller en normal, je pense. Il n'y a pas de barbe, du coup ? Il n'y a que les lunettes. Non, non, il n'y a pas de barbe. Dommage. Après, on est censé avoir 16 ans, mais bon, 16 ans, des fois, on a... Est-ce que je me considère comme une sorcière? Territoire de votre personnage ainsi que la manière dont les autres personnages s'adresseront à vous. Bon bah. Je pense qu'on est bien là. Non, je te rappelle, t'es homophobe. Ces accusations. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Ah oui, bah oui, c'est vrai. C'est dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Vu que je joue à ce jeu, je suis. Vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Oh Eleazar. Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, je... Non, n'en parlons pas ici, Eleazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir... Vas-y, Genshin et les hasards. De t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet.
Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrok. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus... sérieuse. Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment ? Elle m'a écrit au sujet de Ranrok avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrok. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin, comment avez-vous... Attendez. Non. Ça va. Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggenweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Que s'est-il passé ? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur ? Monsieur, où sommes-nous ? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte-au-loin. Un porte-au-loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Ah putain! Explorons les alentours. Désolé. Coup de téléphone de à la con. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Le truc au centre, en fait, c'est le. C'est censé être le réticule, mais moi je pensais que ça allait être un petit réticule de merde. Un petit truc blanc, quoi. Pas un truc qui se met comme ça. Parce qu'il nous demandait si on voulait mettre le réticule. La mire. Ah, les visualisateurs audio, on va l'enlever du coup. Ah là, c'est mieux. Et il y a un truc qui a été ultra bien fait, je trouve. C'est les sombrales. Vu qu'on a vu le gars mourir devant nous, ils sont apparus.
C'est pour ça que j'ai mis le petit emote dans le chat. J'étais là. Oh! J'ai d'une fidélité sans nom. Pas comme toi! L'attaque gratuite. Ah putain. Attendez, je ferme. Au poulet. Et puis on y va. Resto indien là, leur poulet il est énorme. Hop là. Il n'y a plus le chat. Ah oui. J'avais enlevé le chat et les sub-goals. Au cas où il y a une cinématique d'entrée. Au cas où. Pour les vidéos. Mais il n'y avait pas. Alors normalement c'est de retour. Par contre j'hésite à mettre ça. Je pense que c'est mieux sans. Je vais pas mettre le jeu en joli. Il est en joli. Ah, tu veux dire peut-être dans le. Dans le truc? En fidélité? Mieux comme ça? J'arrive pas à voir la différence. Il y a un truc que je vais enlever aussi. De flou. Il n'y a pas de sensibilité de la caméra. Ah si, voilà. Wow. Peut-être un peu trop. Coucou Rébi, comment vas-tu? Mais où ce porte-loin nous a-t-il emmené? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines. Que le porte-loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam. Je m'ennuyais. Donc on était bouche-trou, c'est ça? Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Faites attention.
Oh. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte au loin qui nous a mené ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. La magie ancienne? Oui, une puissante magie. On peut voir les choses comme ça. Qui semble s'être perdue avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué. Je vais mettre mon casque parce que ce jeu. Il a la le son spatialisé. Hop. Voilà. J'ai trouvé une excellente source de distraction, me permettra de me distraire et de m'amuser comme un petit fou. Oh. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Donc Franck, tu es une bête de foire. Est-ce que c'est de la glace ? C'est pas nous. Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Ce sont des bêtes de foire. Alors, appuyez sur R2 pour effectuer sort de base. Préfère sélectionner leur cible et dépasser l'avatar. Même joystick. Tire la caméra, menu paramètres. C'est joli. Les prostituées de la caméra. Ah, là-haut. C'est ce que je voulais faire, mais ça n'a pas voulu. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, un coffre. Enfin, galion. Enfin, c'est des galions, je crois. Harry Potter. Resanto. Changeur 3DS est cassé. Mon pauvre. Accrochez-vous bien. Préparons. Bah c'est pratique ça. Nous y sommes presque. Pas pour longtemps, ah bah je dois arrêter. A plus Santo du coup.
a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. On doit nous amener ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Bon, c'est cette statue qui m'intéresse. La mini-carte vous montre l'environnement. Icône bleue représente l'objectif. Professeur, cette statue... Il devait sans doute vivre ici. Il devait sans doute vivre ici. Ou alors c'était le grand chef. Il y a une nouvelle série Avatar. Le maître de l'air. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Waouh, il joue à Yu-Gi-Oh! Éminent voyant. Intéressant. Continue mon petit dessin. A priori, on casse les peaux, ça ramène c'est rien. Encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer enfin? C'est quoi ça? Professeur Fig. C'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Il faut que j'appuie. Godric, où sommes-nous? Je ne peux y croire. On est chez les gobelins? À Gringotts? Parcerus. Y a quelqu'un? Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte-loin de votre femme? Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Et moi, je me retourne. Suivez-moi. Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns.
quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon ? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Je ne sais pas comment ils vont retranscrire ça sur PS4. Parce que sur PS4, comment ça va ? Mais laguer ? La map va être tellement grande que je sais pas comment ça va faire. Coffre 12. Et quelle journée ! Bon, allez-y. Et sur Switch, je me demande aussi comment ça va faire. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-au-loin, vous voulez dire ? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon ? Comme Pokémon, t'inquiète. J'ai une question sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Il doit être manipulé. Il a les mêmes trucs que le dragon. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Ça lui passe au travers. Que devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... Professeur ? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio, peut-être. Révélio ? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Le sortilège le plus important du jeu. Et concentrez-vous. Attendez. Oh, et c'est stylé comme ça. C'est la même chose que sur le jeu téléphone. Alors. Ah, faut que je stabilise. Ok. Réveillon. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous. Bon, on le voyait sans Réveillon, mais bon. C'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur,
Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves? Qu'entendez-vous par là? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. On est dans les mines de la Moria. J'ai toujours dit que Gandalf, c'était aussi... Dumbledore. Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur, mais par terre. Lumos, que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint cette lueur... Mais Gandalf, il a fait... un Avada Kedavra au Balrog. Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue... Quelle statue? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Revelio, j'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Lumos. Lumos, bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. Alors, se battre. Ah, je pensais qu'il allait être tout seul. Trop d'ego. Oh. J'ai un truc autour de la tête pour me dire que... Il m'attaque. Espèce d'instinct de l'araignée. Ne vous éloignez pas. Ah, mais en fait c'était pour m'habituer à faire ça parce que... Dites-vous que... Là, sur... Professeur, Professeur Fig, professeur, où êtes-vous? Sur la manette PlayStation 5. Lumos. Il y a un... Comment dire?
une résistance sur le R2. Tu vois de quoi je parle? T'as une manette de PS5 sur ton PC? Peut-être? Bon, en fait, si j'appuie sur cette résistance, ça m'allume ça. Et ça fait pas le sort. Pour faire le sort, je suis obligé de faire ça. Lumos. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe? Cette race de magie semble vouloir me guider quelque part. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lumière. Revelio, je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Oh. Résistance, c'est pas une boîte. Avec leur reflet. Les protégo pour contre-attaquer et étourdir l'ennemi avec stupéfix. Pas très école tout ça. Lumos. Ah, enfin on peut courir. Stupéfix, c'est lequel? Le truc, le vendeur de poissons. Non, stupéfix, c'est celui qui est tout le temps... Oh, stupéfait. Il est tout là. Waouh. Ouais, c'est ça. Toujours en fond. C'est exactement ça. Oh, vous voilà. Comment avez-vous? Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons aussi. Il doit y avoir des larmes dedans.
Tout est en place. Le portelon est caché ? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre ? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? Le mot de charme ne lui va pas du tout. Ouais, il est un peu vieux pour avoir ça. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. S'il n'y a que des élus qui peuvent le voir, et j'en suis un. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Il m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Sans les gobelins, ils ont toujours été méchants. Allons, allons. Jamais faire confiance à un gobelin. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Les gobelins n'ont pas besoin de baguettes magiques, ça c'est... Il est la défense. Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Et comme par hasard, seule la magie ancienne va fonctionner contre eux. Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend. On est à Poudlard ? Ah bah d'accord.
Les gars, ils avaient tout prévu, quoi. Trop fort. Oh bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. La tenue de l'école. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Ouh, c'est un serpentard, lui. Pourquoi c'est le directeur ? Phineas Nigellus Black. Ah oui, oui, c'est un serpentard. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. Black et Weasley. La partition est terminée. Il y a eu des complications. C'est les ancêtres. Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Est-ce qu'ils vont nous faire comme dans Pokémon Donjon Mystère, nous poser des questions et puis... Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue, vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc ? Une envie d'apprendre. J'adore réfléchir. Et je pense avoir un esprit vif. Vous êtes rusé. Oui, vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Tu as terminé ta classe ? Ouais, je pense. Et vous avez l'esprit vif. Oui, vous apprenez vite. Ouais, faut juste m'expliquer longtemps, quoi. Vous seriez peut-être à l'aise à Serre d'Aigle. Bah, c'est la maison que j'allais prendre. Mais dommage qu'il pose que deux questions. Mmh.
Ouais, j'ai le choix de changer, ça c'est sûr. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. L'excuse pour ne pas mettre de Quidditch dans le jeu. Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Alors dégagez. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre... Qui c'est la mère du père de... Suivez-moi. De Ron ? À mon avis, DLC. C'est marrant. Mais je vois pas comment il pourrait faire un bon jeu de Quidditch. C'est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Enfin si, il y a des façons de faire, mais pas avec les gameplays de ce jeu, quoi. En effet, professeur. Faudrait qu'ils inventent un tout nouveau gameplay. La salle commune de Serre d'Aigle. Il faut résoudre une énigme pour entrer. Je ne vous aiderai pas, je le crains. Je n'ai jamais été très doué pour ce genre de choses. Ouais, genre, si t'es pas assez intelligent pour rentrer, bah tu dors dehors. Et qui a vécu le plus longtemps ? Le fantôme ou l'esprit frappeur ? Un fantôme ou un esprit frappeur ? Un non-être ne peut avoir été. Ah, je peux pas choisir la réponse. Bravo. Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Et du coup, c'est... Dommage qu'il n'y ait que deux questions pour choisir la maison. Ça aurait été drôle de faire plusieurs questions, de répondre comme si ça avait été mes potes, par exemple. Tout le monde est déjà parti. Et d'avoir leur maison. Quoi. Mais juste deux questions. Pas très intéressant. Ça. Donc j'ai forcément mon lit. Je partage la chambre avec 4 gars. Ah. Le fameux flou pour éviter l'augmentation des FPS. Là, c'est le côté des filles, j'imagine. Ça ne va pas non plus. Oh, on peut manger des pommes. Pour le quiz officiel, faut payer. C'est une expression à moi. J'ai apporté de chez moi ce plan de dictame et j'ai vraiment envie qu'il se plaise. Je trouve le dictame incroyable. Un tel potentiel de soin dans une si petite plante. Comme tu le vois, j'ai un faible pour les plantes. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Samantha. Je me demande si on a les mêmes... utilise du dictame dans la potion Wiganweld. Mais oui. Les interactions, à mon avis, non. Ce doit pas être... Quelqu'un a travaillé ses cours de potion.
En fait, il a l'air serpentard, je pense pas que je rencontrerai celle-là avec sa plante. Il paraît qu'il t'a donné des cours avant la rentrée. Le professeur Fig est énigmatique. Il enseigne la théorie magique, mais semble très bien connaître la pratique. Le professeur Fig sait beaucoup de choses sur les différentes formes de magie. Enfin, j'espère qu'il ne t'a pas parlé que de la potion Wiggenweld. Tu dois avoir plein de choses à rattraper. Est-ce que les élèves cultivent souvent leurs propres ingrédients ? Ah oui ! D'ailleurs, notre professeur de botanique, Madame Bulbille, nous y encourage. Quant au ouais, on est en cinquième année. Notre maître des potions, il se moque de savoir d'où viennent nos ingrédients tant que nos préparations sont parfaites. Okay. Ce sont les poufsouffles qui ont un penchant pour la botanique, pas les serres d'aigle, si ? D'habitude, c'est le cas, mais c'est un truc de famille. À la maison, on en a planté sur tout un lopin. Disons que la botanique, c'est dans mes racines. C'était un plaisir de te rencontrer, Samantha. Bonne chance avec ton dictame. Merci. Bonne chance à toi aussi pour ton premier jour. Ça serait ultra drôle de pouvoir recruter des gens et de faire équipe pour voyager aussi. Pas comme ça que... Hey, salut. Supposons que la première année, c'est la sixième. Mais je peux t'assurer qu'il faut 2 ans de plus. On ne voit pas grand chose de jour. La première année, t'as 10 ans, donc la première année, c'est l'équivalent du CM1. Je suis Amit. Je crois. C'est un plaisir de t'accueillir à Serre d'Aigle. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait vu un dragon d'aussi près. Franchement, je ne le recommanderais pas. C'est un plaisir de te rencontrer, Amit. Je parie que tu aimes l'astronomie. Oh oui, on peut apprendre tellement en observant les étoiles. Et puis, être au sommet de la tour, aller... Le perso a 16-17 ans. 17 ans, c'est ta 7ème année. Adorer l'astronomie. Le professeur chasse... Et c'est jusqu'à tes 17 ans, tu peux... la magie est interdite en dehors de l'école, en fait. Après, je ne sais pas comment... J'espère que j'aurai des cours d'astronomie, alors. Tu peux très bien aller dans 5e année à 17 ans parce que t'as pris 2 ans de retard, tu vois. C'est obligatoire en 5e année. Tu vas adorer la tour. Et puis, parce qu'il faut partir du principe que les mages, la plupart des mages dans le monde d'Harry Potter, suivent des cours particuliers chez eux. Il n'y a rien de tel que l'odeur du parchemin. Et après, ils reçoivent une lettre de l'école dans laquelle ils sont acceptés parce que l'école leur propose la candidature, tu vois. Ça fait 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, ouais c'est ça. T'as 7 années. Et là, il a 16, 17 ans. Donc normalement, on est en 7ème année. Dommage. Ah ? À quoi tu t'attendais exactement ? J'espérais détendre un peu l'atmosphère. Les serres d'aigle sont souvent nerveux le premier jour. Au fait, je m'appelle Everett. T'as l'air très calme par rapport à certains. Et pourtant... T'as survécu à un voyage assez éprouvant. En fait, c'est par rapport au Harry Potter, parce que Harry n'a que 10 ans. C'est lors de l'anniversaire de sa 10e année qu'il a accepté à Poudlard, c'est pour ça. Parce que je me base là-dessus. Je suis ravi d'être ici. Je suis prêt pour le début des cours. Tant mieux, j'en suis ravi. Il y a heureux Kamado. La plupart des professeurs sont sévères, mais justes. Tu sais, je ouais, faut pas se baser sur ça, ouais. Bien pire qu'une simple bombe à bouse. Et je suis encore là. Attends, tu as dit que la plupart des professeurs étaient sévères mais justes. C'est ça. Mais je te laisse en juger par toi-même. Moi, j'ai tendance à tester leurs limites. Je vais m'éclipser avant de me faire attraper pour cette bombe à bouse. Content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, Everett. Bonjour, et bienvenue chez Serre d'Aigle. Le professeur Weasley te cherche. Tu ferais mieux de pas la faire attendre. Ah, ça, c'est la salle commune que je connais, ça.
Et sachez que dans le jeu sur téléphone, on a la seule commune de Serre d'Aigle. Oh. Normalement, on débloquera Incendio. Du coup. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Hmm ? Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B-U-S-E ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Le buzz sur le jeu téléphone, j'ai eu optimal à tout. Je pourrais être un Aurore à 15 ans. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Par ici. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Pourquoi ne pas essayer de lancer Revelio sur ce buste pour Revelio. Voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire. Oh. Ouah, j'ai fait Revelio, il y a un élève qui est apparu aussi. D'accord, et en faisant ça, on débloque... des trucs. Lunettes royales de Poudlard. Ben moi qui ai la collectionnite... va falloir aigu pour être aussi collectionniste aigu. Ouais, totalement. Ça va être joyeux. Oh. On dirait trop le logiciel que j'utilise pour créer ma map de JDR.
Je Minecraft, moi. Pas mal, n'est-ce pas? Cherchez d'autres opportunités. On va voir avec Kuzuko, mais peut-être que d'ici deux semaines, on va recommencer Minecraft dans notre autre monde. Faut qu'il fasse une vidéo de présentation avant. Pas de temps à perdre, on vous attend en classe. Oui, ou le fait que vu qu'il commence en cinquième année, enfin vu qu'il a 17 ans mais qu'il commence pour la première fois à aller à l'école, ils l'ont fait aller deux classes plus bas. Parce que tu ne peux pas aller en septième année sans avoir ton buse, en fait. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. C'est comme si t'allais au lycée alors que t'as pas ton brevet des collèges, tu vois. Et chercher le rôle central. D'accord, j'ai bloqué la flamme de cheminée du hall central. Nous y sommes. Plutôt l'université, mais t'as pas ton bac. Cet escalier mène directement dans Bon. Si t'as pas le brevet, tu peux pas aller au lycée. Enfin, moi, c'était comme ça à mon époque. Après. Il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Que vais-je apprendre en cours de sortilège ? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronan. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal ? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Hecat pour enseigner cette matière à nos élèves. Il va faire une hécatombe. Vous avez mentionné Préolard, professeur. Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûr, nombre de bières au beurre avec vos amis. Ok. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier pas le choix, jour. Je précise. Et vous avez tant à... Ce qu'il y a, c'est que les professeurs de ont accepté de vous cours contre de les forces humaines... Après vite votre retard. Si je de tout ce qu'on connaît, on a vu que, après que Voldemort ait lancé la malédiction sur le poste de professeur contre les forces du mal. La malédiction fait que le professeur ne peut pas rester plus d'un an et qu'il lui arrive une connerie avant la fin d'année. Ah oui, il y a vraiment une raison. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines. En fait, Voldemort voulait être professeur contre les forces du mal. Sauf qu'il n'a jamais eu le poste. Du coup, c'était avant hein, qu'il
fasse des conneries et tout ça. Et du coup, bah, il a maudit le poste en disant qu'un professeur ne pourrait pas rester plus d'un an avant qu'il lui arrive une connerie. Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain. Très gentil. Ah bah c'est Voldemort. Sauf que là, Voldemort n'existait pas à cette époque-là. Dites-vous que Dumbledore, là, il a 10 ans à cette époque-là. Mais vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien. Assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Heureusement que Voldemort complète pas sur son... Il aurait pu s'en créer un. Guide du sorcier, il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley ? Je n'ai pas osé mentir, mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Mais je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. D'accord, vous avez bien moi aussi. Fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley... L'histoire des soins interdits. Ouais, bah ouais. C'est en cinquième année aussi qu'on les apprend. Le sorcier était enchanté. Dépliez-la que je vous montre. En Doloris, Avada Kedavra et... Imperium. Quête principale. Ok. Et certains niveaux. Dans le cas, vous devez atteindre le niveau requis pour maîtriser le sortilège. Oh. Course de défense contre les forces du mal et sortilège. On va prendre Axio. La carte Axio. De façon à vous aider à Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. Entre les cours et vos achats de fournitures à Préolard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors. Bah, c'est une époque. Lorsque j'aurai plus d'informations au sujet. Tout ça, donc, techniquement. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. On peut les utiliser normalement. Réveillon. Là, c'est pareil. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. La ferme. Oh. On peut faire ping sur sa main guitar. Non, c'est pas Voldemort qui a créé Avada Kedavra. Au moins il réagit.
Oh. Ouverture de porte. Yop là. Peut-être j'entends hein, le bruit de cloche, je me dis c'est peut-être ça qu'il faut suivre. Réveillon. On peut pas tomber. Six premiers films lors d'un week-end en sixième. À faire le week-end, c'est terminé. J'ai jamais continué. Tour de défense contre les forces du mal. Tu le maîtrises à la perfection celui-là. Les fantômes qui se poursuivent. Pas casser ces trucs. Suivre les cours. On n'a pas le professeur là dans le coin, non? Serrure de niveau 1. Ah c'est, il faut aller au Mora. Mais t'as fini, Franck, ne jamais lui donner de baguette. Je teste les limites du jeu. Je me demande s'il y a un truc comme... comme dans GTA, tu sais, où si tu utilises trop ta baguette sur les gens, on te poursuit. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour. Je m'appelle Nati. C'est donc toi, le nouvel élève? Tu as déjà rencontré le professeur Ronan? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que, tu es des élèves, que ou... nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard. Oh, salut Xander! Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer oubliette. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Hey, c'est toi qui le voulais absolument. Et prenez une position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place.
Nevion 11, ça... Ah non, c'est Axio. Axio. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Missonai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Je l'aime déjà pas, la Natacha, là. Dis-toi parce qu'elle est noire, c'est ça? J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Hein. Donc, rien de mieux. Ça va être Zender. Le sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? La populaire qui veut connaître le petit nouveau Illuminé. Hein? Puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Bien. Voyez ça, des bave-boules par exemple, mais... Voilà. Très bien. Superbe. Voilà. Très bien, des poids pour Serre d'Aigle. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onai, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez! Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure, Mademoiselle Onai, vous serez rouge, compris? Compris. Regarde bien. Oh là là. Et je peux pas utiliser Action. Et merde. C'est parti. Là, ça... Ah, mais c'est triché, ça. Ouais, non, mais la meuf, elle savait que de toute façon elle avait pas besoin de. Action. Beau travail. La meuf, elle triche, quoi. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Ouais, faut faire du perfect obligatoire, tu sais. Limite. Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Regarde bien. Ouais, non mais... Voilà comment on fait. En plus, elle a celle du centre, elle, donc c'est très simple. Chez, elle s'est bloquée elle-même. Impressionnant.
Donc, quoi qu'il arrive, là je la gagne, mais bon. Le gars qui fait aucun effort pour le dernier. Je voulais voir en fait si on pouvait continuer de tirer quand ça touchait le truc, mais non. Ça nous enlève le sortilège. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. C'était vraiment bien joué. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Elle t'a sous-estimé, je le savais. Ouais, elle m'a sous-estimé en faisant un perfect. Bien sûr. Pratiquement. Je me demande si c'est pareil partout aussi. Merci, mais je me débrouille très bien tout seul. Tu as confiance en toi. C'est bien. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Oh, l'Afrique. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète. Faire la madame aux fleurs. Une autre école dans un autre pareil. Pays. Ouagadou est une école plus grande que Poudlard ? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. Est-ce que Ouagadou est un château, comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas ? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne ou presque n'en utilise à Ouagadou. Ouais, ils utilisent les mains. Tu peux lancer des sorts sans baguette ? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronan voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible. Je peux vous parler un instant ? Les humains. En réalité, il faudrait utiliser pour des vêtements. Tu sais bien que ce sortilège ne fonctionne pas sur les humains. Vous vouliez me parler, professeur ? Nicolas, rien d'extraordinaire. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas avec à participer Ava. À une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Quand j'aurais débloqué le sort. Vous avez surpassé Miss Onai, une élève pourtant brillante. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Ouais, niveau 2. Plus 15 PV. Cours contre les forces du mal. J'ai aucun devoir. Quête de relation. Quête de relation. Genre on peut augmenter notre amitié et tout avec des gens. Ça peut être cool ça.
La cape légendaire. Oh, le masque Cranbeck. Et je les ai pas là? Genre ils sont dans la collection, mais je les ai pas récupérés. C'est peut-être juste un truc d'apparence, peut-être. Tu peux devenir meilleur pote ou ennemi? Ah ouais? Ça pourrait être drôle ça. Bonjour. Comment se passe ta première journée? Bonjour Samantha. C'est un plaisir de te revoir. Alors, comment se passe cette première journée? Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Oh, tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi. Samantha, ma meilleure amie. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronan. Réveillon. Le professeur Ronan me rappelle mon grand-père. Une grande sagesse, mais un petit grain de folie. Dommage, des fois ça passe à travers. Réveillon. Wow, le nombre de trucs. C'est alors que les loups-garous ont rejoint les gobelins dans leur révolte. Lors de la révolte des gobelins, où étiez-vous? Et finalement, c'est Albert Boot qui est devenu ministre de la magie. Non, c'est faux. Oh, je reste avec vous. C'est si amusant. Je veux encourager le garçon qui affirme que... C'est un mensonge, Pibs. C'était Albert Boot. Y'a Pibs? C'est Basil Flack. Ouh, allez, ah, y'a Pibs! Très osé, cette attaque. Le ministre était-il Boot ou bien était-il Flack? Arrête ça, Pibs. Tu vas nous attirer des ennuis. Vous allez bien avoir des ennuis. Protego. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Elle dit... Révélio. Dit Flack. Pibs, qui va l'emporter? Ça suffit. On va finir en retenue si tu continues. Et vous vous trompez à nouveau. C'était Esfaïs Tusgore. Ce n'était donc ni Boot, ni Flack. Mais vous aurez tous des ennuis avec... Coucou Kylie. Incroyable nouvelle. Ça c'est le truc. Ok, donc ça c'est 1, ça c'est 3, ça doit être 5, ça c'est 4, et ça doit être 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, là c'est 2. Attendez donc. 3, 4, 5, 6. Peut-être. J'ai fini quatrième tournoi de jeu de cartes Genshin Impact avec deux decks Kolei viables. Ah ! J'ai. Donc ça. Ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc l'autre c'est bien ça. Et là,
4 plus 1, 5. Donc il faudrait le poulpe. Je ne sais quoi là. C'est un poulpe ou pas. Voilà. Globalement, les deux decks que j'ai joués étaient monstrueux, donc je suis content. Mais il y a des tournois. Deck Genshin. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils ont sorti vraiment des cartes IRL. Ah non, avec des streamers, ok. Et pas Yann. Les vieux sont... j'imagine. Réveillon. Oh, c'est beau. Des tournois dans le jeu, ouais. Oh, parce que je me disais, s'ils ont sorti des cartes IRL, ça pourrait être drôle. Oh. Bonjour. Tour d'astronomie. Quel plaisir de vous revoir. Mais vous ne m'avez jamais vu. J'ai jamais lancé dans le jeu de cartes Genshin Impact. Non, jamais. Parce que j'attendais qu'il y ait des decks viables pour pouvoir le faire. Et surtout, à chaque fois que je lançais Genshin Impact, il y avait un nouvel événement qui m'empêchait de le faire. Réveillon. Ce sera peut-être un truc spécial plus tard. Même sûr. Protego. Oh, tu devrais voir ta tête. Oh, il y a Pip. Il y a plusieurs Pips. Kiki. Ah non, ça marche pas. Kiki. C'est ici que Dumbledore mourra dans le futur. Tour d'astronomie. Rébellion. C'est ici qu'Harry sera caché.
Madame Kogawa, prof japonaise. Pouvoir recevoir des dégâts de deux chutes. Salmette! Reviens ici! Viens là! Ah, évidemment. On peut faire tomber ça. Non. Je vais créer une règle. J'attaque que les chats. Bizarre. Oh, on va prendre les duels. Quoi, c'est tout? Professeur Ikat, soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref. Vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso ? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Ok. Levioso. Levioso. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué.
Commençons par le lancer de base. À plus d'une heure. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas. Bien. À présent, bravo. C'est très bien, mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Levioso! Ça devrait être facile. Protego! Levioso! Protego? Quelle chose? Levioso! Beaucoup de chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Je n'arrive pas à croire que ce soit ton premier duel. C'est juste... Les duels animés sont passionnants. Protego! Regardez votre adversaire pour savoir s'il faut attaquer ou défendre. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serre d'Aigle. Merci, professeur Hecate. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités, donc ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose, mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo! Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Encore ? Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Et je viens d'arriver, je croule déjà sous les devoirs. J'ai quitté l'école, c'est pas pour revenir à l'école. Ah, je n'aime pas trop les duels. Je préfère les solutions plus pacifiques. Ça bayang bayang. Tu as combattu Sébastien en duel ? Il est très doué. Bien joué. Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront. Et pas l'inverse. Comme pour l'œil. Revelio. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret... ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby
près de l'entrée de la tour de l'horloge, si ça t'intéresse. À la prochaine. Je n'aimerais pas affronter le professeur Hécate en duel. Ce serait marrant. Revelio. Du coup... Joute magique. Le coup des points d'interrogation là, ça me... À chaque fois qu'il y a un nouveau truc, un point d'interrogation, ça me... Blablabla. Je vous avoue que j'ai beaucoup envie de marcher. Envie de voyager rapidement pour le moment. Vu qu'on est au début. Heureux. T'as pas fait ton devoir, Nemodo! J'ai repris mon compte du coup. Mathieu de la Fontaine. Ah ouais, en plus. Le pire, hein, c'est que c'est un truc français et c'est un bot anglais. Youhou ! Ah ! Oh non, pas encore. Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxiamol m'a permis de faire trempette. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine! Mais arrête, je vais être en retard. Et Grand Carpet a voulu m'arrêter et m'enfermer dans une cloche en verre enchantée. Mais ces sortilèges de maintien n'ont servi à rien. Alors j'en ai profité pour faire le malin. Il me fallait des privilèges considérables et remarquables. Pour éviter le chaos, elle s'est montrée raisonnable. Selon les termes de notre convention et avec sa permission... Ah mais il est trempé en plus le fantôme. Par semaine, je peux faire le plongeon. Le plongeon. Oh, je te le ferai payer. Pas ça. Ce n'est pas nécessaire. Revelio. Il me fait rire ce perso. Donc ça c'est... Faut que j'apprenne de toute façon à l'Oromora. Aucun des deux.
Réveillons. Ça va pas la petite musique. Mais qu'est-ce que c'est ? Oh. J'avais jamais vu ça. Sorcier Balufio, célèbre pour son exil. Élixir, pardon, c'est vrai. L'incarnation ne se passe pas bien prononcée. Il prononça B à la place d'un V. Sa femme se retrouvera avec un bison sur les épaules. Ah putain. Je vais manger. Je croyais que t'avais mangé devant mon stream. Oh, t'es professeur. Réveillon. L'apéro. J'ai la statue d'une sorcière borgne. Stage secret relie Poudlard au sol de la confiserie onirique. On peut y aller. Ouais, tout de suite en tout cas peut-être. Bon allez. J'ai beaucoup trop envie d'explorer, mais il faut qu'on... Et faire le duel là. Heureux que tu aies pu venir. Lucan est juste là. Réveillon. Réveillon. Je peux t'aider ? Sébastien m'a dit de venir te voir à propos. D'où j'ai des lunettes ? Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué, lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de Joute Magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Peut-être plus tard. Reviens me voir si jamais tu changes d'avis un jour. Voilà. Défense plus 2. Est-ce que je peux... Ouais. Je peux me mettre défense... Oh, c'est trop bien ça. Défense plus 2 et je le cache. Trop bien.
Ok. Mais c'est cool ça. Bonjour Lucan. Je voulais te parler de joutes magiques. Ah, regardez qui voilà. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant. Que le feu d'artifice commence. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Les flottons. Protego. Parfait. J'avais un problème avec ma cape, je crois. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Revelio. Ok, j'ai peut-être pas le bon truc encore. Oh, c'est pour aller dans la cour. On peut pas ouvrir. Ah, c'est pour ça que je peux pas ouvrir la carte de temps en temps, parce qu'il y a... Enfin, la porte. J'ai grandi. Rira bien qui rira le dernier. Parce que c'est un temps de chargement. De s'approcher d'une porte. Je plains ton prochain adversaire. Tu as une voix extrêmement désagréable. Rébellion. C'est l'un des endroits préférés de Peeves pour faire ses farces. Vaut mieux les éviter à moins d'être en situation des. Cours de métamorphose. Chat! Et pour la salle, professeur? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider.
Excusez, Chic. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Revelio, c'est cela? Et Lumos? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolar dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Oh. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt. Mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Ah ouais, donc on a vaincu des gens en duel et tout avec une baguette d'emprunt. Même pas avec notre propre baguette. Eh ben putain. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions? Potions Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Je n'ai jamais entendu parler des créasors, professeur. Qu'est-ce que c'est? Un créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Ollivander est présent à Préolar? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. Il doit être un peu plus jeune, là. J'ai hâte d'aller à Préolar. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite, pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Ah, je peux pas choisir... J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Palo est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier, son bras droit, Théophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Revelio. Oh, professeur Ronan. Moi j'aurais pensé qu'on pouvait prendre la fille botaniste là, mais bon, dommage. J'aurais eu le choix, je l'aurais pris elle. Elle m'a l'air beaucoup plus sympa que les autres. Alors bienvenue à Préolar, mais je ne peux pas y aller tout de suite. Il faut que j'apprenne réparo avec le professeur Ronan. Ok, allons-y. Revelio. Hey.
Ah, je croyais que c'était les plantes qui me taillaient. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation, Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai Réparo. Ok. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre Réparo? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Je vais commencer tout de suite, professeur. Alors, récupérer les pages volantes près de la statue de Brise. Les vieux sont. Action. Revelio. C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Les violons, action. Et voilà. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Une bonne âme voudra bien m'aider. Révélio. Ah. T'as besoin d'aide? Est-ce que tout va bien? Tu ne sais pas qui je suis? Zenobia Nook, la fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Tout le monde te déteste? Pourquoi ça? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des brutes et des rabat-joies. Léon Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Je voulais me faire des amis, alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de baf-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les baf-boules? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Des baf-boules? Ça a l'air amusant comme défi. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux autres. Les gens peuvent être si cruels. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de baf-boules. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes baf-boules. Et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes baf-boules depuis leur cachette? Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. La personne qui a caché mes baf-boules en hauteur a bien dû y monter. Tu n'as aucun ami à l'école? Pas vraiment. Nati m'a dit bonjour une fois. Mais c'est tout. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes baf-boules... La quête des Korogus. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Revelio. Action. Fantastique.
trouver les bave boules. Elles sont marquées en plus sur un map, c'est cool. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Un petit air. Votre baguette non, réparation. Canalise votre magie. Ah, okay. Ah, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve. Réparons-nous. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté.